俺が必ず守ってみせるぜ。無敗無失点で行ってやるぜ。サッカーは俺の夢だ。Hey yo tout le monde, c'est Skippy, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team pour une vidéo invocation, comme vous l'avez vu dans le titre, bien évidemment, comme toujours. Je suis de retour, hein, j'avais dit que je m'absentais pendant 4 jours, je vous ai mis quelques petites vidéos que vous auriez pu visionner. J'espère que ça vous aura plu, ce petit BO3 que j'ai fait avec le poteau Marik. La RNG est assez scandaleuse du début à la fin, on va pas se mentir, mais bon voilà, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette trilogie de vidéos qui est assez mythique sur l'état catastrophique du jeu. Et donc aujourd'hui, nouveau portail avec des joueurs 3%, donc pas de panique si vous n'invoquez pas, vous pourrez avoir ça sur des tickets plus tard, maintenant la probabilité sera assez faible. 3 nouveaux joueurs, du coup, alors j'aime super trop les nouveaux artworks, en fait. Donc là ici on a Matsuyama, Junior bien évidemment pour coller avec l'adaptation animée qui est en cours. Alors en stats, bon ça me semble assez correct hein, offensivement. Maître de la zone de danger, il va gagner 40% de stats, c'est énorme. Hein. En termes de TS, nouvelle passe. Il n'a pas son meilleur tackle ici, il n'a pas sa meilleure inter, je pense. D'avoir moyen de gratter ça sur d'autres personnages. Par contre, en termes de achat, c'est n'importe quoi. Bon, ok, vous debuff de moins 8% la TS du joueur qui perd son duel, mais c'est pas assez intéressant. Et il peut pas se faire sceller. Enfin, si, il peut se faire sceller une seule TS si vous tombez face à un double seller. Mais bref, ce Matsuyama là, pour moi, en termes de stats, c'est intéressant, mais c'est pas du tout celui qu'il faut aller chercher. Par contre, ce Genzo là, il m'intrigue beaucoup parce qu'il a quand même 45 000 de physique. Bon, en parade, c'est très très faible. Il a une zone de sûreté quand même. Maintenant, 10%, c'est pas non plus le plus top. Il a une nouvelle interception, punch, pardon. Donc ça, c'est assez fort, c'est très très fort, c'est le meilleur punch pour un Genzo à l'heure actuelle. Donc, si vous avez le Genzo anniversaire ou vous avez un Genzo qui est puncher, ça peut être très utile. Et en plus, il a plus 10% face au joueur allemand, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi je pense qu'il y aura un Schneider au prochain Dreamfest. Schneider Hambourg Junior. Ça, ce serait vraiment incroyable, depuis le temps qu'on a plus de Schneider sur le jeu. Lien équipe, voilà, il va augmenter de 30% s'il joue 8 joueurs juniors dans l'équipe. Alors ça par contre, l'investissement il est beaucoup trop fort, il n'y a pas assez de juniors à l'heure actuelle, et puis même personne n'aura envie de jouer full junior à l'heure actuelle, donc 30% c'est même pas énorme, ça va pas changer beaucoup, mais on sent que c'est un joueur PVE, parce qu'il est résistant à la pluie et aux flaques. Par contre ce Tsubasa là, c'est la plus belle des cartes je trouve, avec celle de Genzo, où il tient son maillot du Japon en main, mais voilà les stats, 30 000 partout, c'est pas fou. Par contre, à la fin du match, il gagne 100% de paramètres. À la fin de la mi-temps, à la fin de la prolongation et tout. Ça, c'est énorme, gagner 100% de paramètres. En plus, il a la 1-2, sa meilleure 1-2 à l'heure actuelle. Enfin, sa deuxième meilleure 1-2. Mais il y a moyen de lui mettre des très grosses TS. Par exemple, le tir avec Rivaul. Il doit y avoir moyen de faire un truc comme ça. Et il donne un lien à 7%, donc ça, c'est cool. Et une autre line de 5% au joueur. Et en plus, s'il gagne un duel, la cage pleine puissance se remplit à 20%. Donc je pense que vous gagnez 5 duels avec votre Tsubasa, vous avez déjà le full power, ça peut être énorme, ça peut être énorme à tester. Vraiment, si j'arrive à choper ce Tsubasa, y a moyen que je l'équipe autant que le Tsubasa Super Dream Fest. Maintenant, il va jamais le dépasser, il est beaucoup trop fort. Mais bon, voilà, on va se retrouver pour cette petite vidéo invocation, mais restez bien jusqu'à la fin, car après, on va invoquer sur le Mini Dream Collection, parce que sur ce compte, je n'ai pas de gardien, je n'ai pas de Genzo, du coup, il me faut absolument ce Genzo sur les 4 steps, il n'y a pas de garantie. On a un SSR garanti, mais pas spécialement un de ces deux-là. Donc voilà, on va commencer par ces 3-là. Celui que je voudrais avoir avant tout, c'est Tsubasa. Donc c'est parti, let's go. Donc j'ai pas regardé normalement si c'est comme d'habitude. Ok, c'est 3 paliers. Un joueur SSR garanti, mais pas forcément l'un des 3. C'est assez compliqué. Bon, du coup, c'est parti. Première multi. Ok, SSR première multi. Ça, c'est beau. Le maillot junior, on est là. Les souvenirs. Ok, on a une SSR, mais c'est pas un rate-up. C'est pas un rate-up. Maintenant, si c'est une SSR récente qui peut me donner un boost à 7%, je veux bien. Alors c'est Raphaël. Ce Raphaël là, attends, je me rappelle pas de ce. Eh mais il est sorti quand ce Raphaël? Je suis content hein. Moi j'aime bien les joueurs espagnols sur le jeu. C'est son tir solo à 539. Ok, bah je prends pour le PVE. Je me rappelais plus de ce Raphaël. On est parti, deuxième multi. Bon pour le moment, on n'a pas à se plaindre. Hein.
Okay, des flammes vertes, j'y crois pas. Ça sort le brain. Ouais, c'est le brain total. Pas d'SSR sur cette deuxième multi. Et la troisième multi, SSR garantie. Voyons voir. Allez, donne-moi Tsubasa, s'il te plaît. Juste pour le fun. Et en plus, ce jeu comme ça, j'aurai un lien à 7% supplémentaire. Oh, deux SSR. Deux SSR, les amis. Bah là, quitte à avoir deux SSR, je préférerais Tsubasa et Genzo. Maintenant, ça scintille pas, donc... Oh. Oh. Oh, la fraude que je suis. C'est le dernier Misaki, les amis. Le Misaki qui était en cours là hier. Le dernier Misaki qui donne, je pense... Non, il donne pas les 7%, mais il donne le nouveau dribble. Pour le... Ah ouais, oh génial, oh je suis vraiment une fraude. J'invoque sur le portail, j'ai pas Misaki. Et Kishida. Ok. Bon, au final, je ressors perdant parce que j'ai pas eu l'un des trois. Mais au final, j'ai ce Misaki récent. Donc son dribble, là, je vais le donner à manger au Misaki, là, Super Dream Fest. Ça, ça va faire bien plaisir. Et donc, comme promis, les amis, on passe sur le mini Dream Collection. Là, si j'ai pas Genzo, ça va devenir compliqué parce que mon équipe est très forte, mais j'ai pas de gardien, donc je prends des buts. C'est un peu con. Mickaël, j'ai déjà. Je l'ai eu sur le dernier Dream Collection. Si vous avez vu la vidéo à vocation avec Robson, c'était assez frauduleux. Du coup, ben, c'est reparti. Hop. On a 3 multi à faire. 3, 4 multi à 50 dB. Ça coûte cher. Hein. Portail piège, je vous déconseille d'invoquer, je le fais uniquement parce que j'ai de la DB, mais je vous déconseille fortement d'invoquer sur ce mini Dreamco. Ok, là on a une SSR. Bon, si je peux avoir du Dreamco, c'est bien aussi, hein, même si c'est pas du rate-up. Bon, genre ça, c'est ce qu'on veut pas. Et hop, deuxième multi. Là, on n'a pas d'SSR. Quel dommage. Et ici, troisième SSR, on a SSR garanti dans un recrutement. Pardon, dans un recrutement. Donc là, on n'est pas encore sûr. Il y a 5 pigeons, mais flamme bleue, ça pue. Hein. Mais il n'y aura pas d'SSR. Il n'y aura pas d'SSR. J'y crois pas. Non. Pas d'SSR. Dommage. Là, par contre, c'est SSR garanti. S'il te plaît, donne-moi Genzo. C'est ma chance. Ah, il faut... Non, flemme. Hop, voilà, comme ça. Ça, c'est bien. Allez, Genzo, c'est parti. Genzo, c'est maintenant. Allez. Ça ne scintille pas. Après, sur ce genre de portail, je sais pas si ça scintille. Oh non, vieux 3% de merde. Bah, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que c'est... Je pourrais refaire hein, et forcer, mais ça ne servira à rien. Surtout que très bientôt il va y avoir certainement un nouveau gardien, donc c'est tant pis, mais ça me fait chier parce qu'à l'heure actuelle je peux pas jouer cette équipe. Bon bah du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit portail 3%. Voilà, c'est sympa, ça change, on met des joueurs qui sont habillés en civil, on va dire. Donc je trouve ça assez original sur l'artwork. Est-ce que vous avez invoqué? Dites-moi en commentaire. Voilà, encore une fois, c'est, vu que ce sont des joueurs 3%, je vous déconseille d'invoquer. Maintenant, si vous aimez bien le gameplay d'un joueur, que vous aimez bien la TS, ou que vous avez envie vraiment d'un joueur en particulier, faites-vous plaisir. C'est un gacha game, donc avant tout, il faut se faire plaisir. Si on veut absolument avoir la meilleure team, on est très très vite déçu. Voilà, du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne. On a explosé les abonnements ces derniers temps, merci beaucoup. Objectif 4000 abonnés, je compte sur vous, on peut y arriver. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.